Et bonjour à tous les Bee Gees, ici BJ de retour pour une réaction à un clip de K-pop. Et aujourd'hui j'ai été surpris, je me lève, j'étais pas prévenu en fait, j'ai manqué les teasers, je sais pas pourquoi. Mais il y a les Seventeen qui reviennent avec Fear, leur dernier hit. C'était hit, c'était de la bombe internationale, ils nous laissent même pas le temps de respirer, ils sortent Fear. Donc j'ai aucune idée du concept, j'ai rien vu comme je vous ai dit, rien entendu. Mais voilà, je vais pas plus m'attarder sur l'intro, on va faire ça tout de suite en direct avec vous. 3, 2, 1, blair. Déjà on dirait une sorte de peinture, de tableau. Ils ont l'air déjà énervés, il y a un truc qui monte avec des franges autour de lui. Pourquoi il y avait un scarabée? Attardons-nous sur le son ultra badass. Ouh. Il y a une sorte de chronomètre derrière, ouais. Les tableaux sont très jolis. Qu'est-ce qu'il porte comme veste? Oh là là, j'essaie de deviner, il avait un truc dans sa main, il est entouré de pellicules. Il y a beaucoup de tubes et de pellicules, etc. Le son est vraiment lourd. Tout en étant un peu doux, il est très très... Et il a un truc vraiment spécial dans la main, je sais pas ce que c'est. Il est filmé de côté et pourtant ça rend super bien. On dirait qu'ils sont habillés en soie. Il y a constamment des matières sur les murs autour d'eux, vous voyez, des tuyaux, des trucs bizarres. Ils sont super classe, hein. Il est entouré de cellophane, son bras, je rêve, ou il est entouré de... Il y a beaucoup de matière, je trouve. Je sais pas si c'est un rapport avec un concept. Ouh. Ils m'ont eu avec cet arrêt total et ce chuchotement, là. Je sais pas si vous avez vu, il y a des bandes noires qui sont apparues en bas en haut. Waouh, tous les micros. Mais artistiquement, ça va à 2000 à l'heure, il y a trop de choses. Les tableaux sont magnifiques. Ça a beau être un tempo un peu bas, il y a un son derrière. Bam, bam, bam. Une carcasse de voiture, je sais pas du tout pourquoi. Tous leurs habits sont ultra classe, regardez-moi ça. Oh, avec la sorte de ceinture à l'espagnol, on dirait des... J'ai pas le temps de commenter, il y avait un tableau qui s'est déchiré. Ça fait penser aux franges du décor de tout à l'heure, mais aussi à ça là, vous voyez les bandes. Mais aussi à quelque chose qu'on déchiqueterait. Oh là là, les mouvements qu'ils font. Et il y a souvent ces sortes de vues où on les voit de côté à 90 degrés et un scarabée qui revient en permanence. Et c'est tellement... Il y a tellement à commenter que j'ai même pas le temps de commenter la musique. Laissez-moi tranquille. Les vocals. Il y a beaucoup, il y a souvent des high notes et reviennent très souvent. Oh, un duel l'un face à l'autre. Oh, c'était beau ça. La trace de sang comme ça, je sais pas pourquoi. Hey, il se défonce sur les vocaux, hein. Et toujours ce bam bam par derrière qui est très faible. Bon. Et ce mouvement très sexy, c'est un mix entre badass sexy. Visuellement, c'est au top. Oh, c'était quoi cet effet autour de sa veste? Mais ça m'a défoncé les yeux, c'est la fin. Fear, ah, il y avait un concept de peur. Fear, est-ce qu'il y a des phobies, des... Le fait qu'ils soient enfermés dans des matières. Oh là là, c'est un des clips, je crois, où j'ai le moins eu le temps de respirer, quoi. C'est pas possible. Je vais honnêtement devoir me le faire de mon côté tout seul pour réécouter mieux la musique que j'ai pas vraiment eu bien le temps d'écouter. Et déjà, ça se sent, les enchaînements, bah, ils te laissent pas le temps de respirer, en fait. Il y a un moment où ils te laissent une respiration. Il y a ce gars, là, je sais même pas qui c'est, qui chuchote en étant en très gros plan. Artistiquement, ça déboîte. Tout, à tous les niveaux, ça déboîte. Et même la chorégraphie, c'est un clip qui est plutôt, qui est moins dans un tempo très dur et très rapide comme Hit, mais c'est quand même quelque chose de badass avec un son en arrière. Enfin voilà, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles, ça m'a pas déçu du tout. Ils nous laissent pas tranquille deux secondes là, les Seventeen. Ils sont en train de faire quelque chose de très très bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour qu'on partage comme d'habitude. Je vais vous dire à la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous car c'est plus important. Ciao.